Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont été convoqués par les sages le samedi passé. Ils se sont entretenus. Selon un des meneurs du mouvement de Cancan, qu'il y a, n'est-ce pas, que le professeur Alpha Condé a appelé à Cancan, il a dit aux sages de dire à leurs enfants de ne pas sortir. Que s'ils sortaient, il allait tourner le dos à Cancan. Bon, ces informations que je suis en train de relayer ont été publiées par le site d'information Vision Guinée. Voilà. Donc, le professeur aurait appelé, il semble qu'il aurait appelé les sages de Cancan pour leur dire qu'il allait tourner le dos à Cancan si jamais ces jeunes sortaient pour manifester. Alors c'est ainsi, les sages ont convoqué les jeunes, ils se sont assis. Les sages ont fait comprendre aux jeunes de renoncer à leur manifestation. Ils leur ont dit, renoncez à votre manifestation. C'est le courant que vous voulez. Dieu va nous donner le courant. Même si on fait 100 ans sans électricité, Dieu, regardons Dieu, remettons-nous à la sagesse de Dieu, Dieu va nous donner le courant. Junior TI, comment ça va? Laissez les cœurs, s'il vous plaît. Tous ceux qui viennent de rejoindre le live, laissez salut, salut, salut en commentaire. Si vous n'avez pas un commentaire particulier, laissez seulement salut, salut. D'accord? Notre page a des restrictions. On a deux grandes restrictions. Quand vous interagissez là, ça permet à l'algorithme de Facebook d'enlever cette restriction. Kadiatou Diallo, voilà. Merci bien, Kadiatou Diallo. Donc, Sagata Monene, bonne arrivée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans cette situation, c'est le fait que les sages s'en remettent à la volonté de Dieu. Nous sommes tous des croyants. Nous croyons tous à Dieu. Et nous savons que tout ce qui se passe dans notre vie, dans nos différentes vies, cela émane de la volonté de Dieu. Mais attention, on l'a dit souvent et on ne cessera jamais de le redire, il faut qu'on évite de mettre la confusion entre la religion et les pratiques de la bonne gouvernance et la démocratie. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Encore que nous ne sommes pas dans un état théocratique. C'est lorsque nous sommes dans un état théocratique, et l'état théocratique c'est quoi? C'est l'état à l'intérieur duquel le pouvoir est exercé par quelqu'un qui tire les fondements de son pouvoir dans les mains de Dieu. Nous ne sommes pas dans un régime théocratique. Je répète encore, le régime théocratique, c'est un régime politique dans lequel celui qui gouverne ou ceux qui gouvernent ont été mandatés par Dieu. Nous sommes en démocratie. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui choisit son président. Nous sommes tous des créatures humaines, des créatures de Dieu. Dieu le Tout-Puissant, nous croyons en lui. Nous sommes des fervents croyants. La Guinée est un pays où nous sommes vraiment des croyants. Contrairement à d'autres pays. Mais la croyance n'a rien à voir avec les règles juridiques. Les règles juridiques s'appliquent à l'État. Pendant que les règles religieuses s'appliquent aux fidèles religieux, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont chrétiens, les règles religieuses s'appliquent à eux. Mais lorsque nous sommes dans une situation de bonne gouvernance, dans une situation de gouvernance, il faut dire que c'est à cause de la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas d'électricité à Cancan. Ce n'est pas seulement Cancan. C'est un peu partout à Conakry. Là où je suis assis comme ça maintenant, là dans mon bureau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. La question de l'électricité, est-ce que c'est Dieu qui doit résoudre? Selon les textes, selon le droit, la responsabilité incombe à l'État. C'est à l'État de résoudre les questions d'eau, d'électricité. Dieu le Tout-Puissant nous a créés. Il nous a donné la faculté de réflexion. Il nous a donné tout. Il nous a, tellement qu'il aime les Guinéens, il nous a donné la richesse du sol et du sous-sol. Il nous a donné assez de richesses de telle sorte que lorsque nous sommes dans le cadre d'une bonne gouvernance, nous sommes en face de gouvernants, de cadres qui mettent en priorité le patriotisme, mais on peut facilement électrifier notre nation. On peut facilement électrifier la plupart des villes de la nation. Dieu a déjà fait son travail. Le reste, c'est à nous autres. Donc, je vois, les sages ont étouffé cette manifestation en prenant pour argument Dieu.
pendant que Dieu a déjà tout fait pour nous. Encore que, généralement, on préfère aller sous l'angle religieux pour toucher à la sensibilité des gens. Soit on va heurter des gens, on va les blesser, soit on va les faire mal. Parce que dès déjà que les sages, du moment où les sages disent non, il faut s'en remettre à la volonté de Dieu. Si toi, un citoyen de Cancan, tu refuses d'écouter ce que le sage a eu à dire, on va dire ouais, Kafri Nanga, Gimu Alakolo. Pourtant, la gestion de la nation ne doit pas être mélangée avec le religieux. Encore une fois, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Mais la principale question qui se pose, c'est le fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos sages, bien que beaucoup soient à la solde du régime en place, ce qui n'est pas tout à fait mauvais en soi, mais les sages devraient être... Déjà, je dis que je suis... C'est bien de chercher à calmer la situation, que les sages disent, n'est-ce pas, qu'il faut sursoir à la manifestation. Je suis d'accord, c'est le rôle des sages, chercher à apaiser. Lorsqu'il y a la tension, chercher à apaiser. Mais la manière d'apaiser, lorsque des jeunes se lèvent et ils disent qu'ils veulent tel, il faut une revendication sociale. Je crois que c'est du rôle des sages de dire au président de la République et de dire au cadre de l'administration, écoutez, nous allons parler à nos enfants. Mais vous savez que nos enfants ont raison. Monsieur le Président, vous savez que nos enfants ont raison. Messieurs les ministres, vous savez que nos enfants ont raison. Nous souffrons ici. Par manque d'électricité, les activités se raréfient. Les activités génératrices de revenus se raréfient. Nous allons calmer nos enfants. Mais nous voulons que vous fassiez un programme, un chronogramme, en fonction duquel vous allez pouvoir satisfaire aux exigences, aux revendications de ces enfants. Je crois que c'est ce qui devrait être le rôle des sages. Calmer les enfants, calmer la jeunesse, mais aussi demander aux gouvernants de s'acquitter de leurs devoirs. Parce que ça, c'est le rôle, c'est le travail du gouvernement. Mais ce qui me gêne un peu dans cette situation, c'est quand les sages disent « Non, même si on fait 100 ans sans électricité, on va s'en remettre à Dieu. » Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez ce que ça fait? C'est pourquoi, encore une fois, chers combattants, et aujourd'hui, ces sages-là, avant d'être sages aujourd'hui, ils étaient jeunes comme nous. C'est parce qu'on a mis dans leur tête qu'il y a certaines revendications qu'il ne faut jamais faire. C'est pourquoi aujourd'hui, à leur âge, ils estiment que ces jeunes-là ne doivent pas faire cette revendication, ne qu'à s'asseoir regarder Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comment on peut dire aux jeunes, il faut regarder Dieu? Et d'ailleurs, il y a un processus qui est en cours. Il y a une série de récitations de Saint-Coran qui est prévue à Cancan Abaya pour permettre à ce que Cancan puisse avoir, c'est-à-dire pour demander à Dieu, pour que Dieu donne l'électricité à Cancan. Je suis d'accord, encore une fois, c'est très gênant quand les gens font une confusion entre la religion, ils veulent mener la religion, des questions politiques, c'est très gênant. C'est très gênant. C'est très gênant. C'est très gênant. Vous comprenez? C'est très très gênant. On ne doit pas confondre la religion avec la politique. On peut demander tout à Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui va venir construire le barrage. Ce n'est pas Dieu qui va venir construire le barrage. La construction du barrage dépend d'un programme bien élaboré par l'État. Il faut que l'État comprenne qu'il doit agir, la nécessité d'agir. Que l'État puisse comprendre. Et c'est ça le rôle des sages, faire comprendre à l'État, oui, nous allons calmer nos enfants, mais votre rôle, c'est de vous acquitter de votre devoir. Mais si nos sages pensent que ces revendications-là ne sont pas les bonnes, qu'on ne devrait pas le faire, ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. Ça devient compliqué. Mais le problème, une petite parenthèse, ici c'est la page des intellectuels.
pas d'injures, pas de violence verbale. Tous ceux qui s'hasardent à laisser des injures à l'endroit des sages ou à l'endroit du président ou à mon endroit, sachez simplement que vous violez les règles de cette page. Si vous le faites, je vous bloque à la minute. Il faut que les choses soient très claires. Ici sur ma page, je n'ai pas besoin du nombre, j'ai besoin de la qualité. Tous ceux qui sont là sont des jeunes qui ont la conscience éveillée. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes là, vous êtes suffisamment responsables. Donc, continuez à laisser vos commentaires. Dans la deuxième phase, comme d'habitude, dans la deuxième phase de la vidéoconférence, je vais prendre le temps de lire les commentaires et je vais répondre. On va échanger. Dans la deuxième phase, tous ceux qui voudront intervenir en direct pourront lancer l'appel. Merci, une meilleure Guinée. Merci, merci bien mon cher. Merci bien. Donc, voici ce qui est inquiétant. Voici ce qui est inquiétant. Je dis bien que ce soit Zérékouré. Généralement, en région forestière aussi, la même chose se passe. Dès lors que les jeunes cherchent à faire usage de leurs droits, on les laisse évoluer. Arrivé à un certain niveau, dès qu'on voit qu'ils sont vraiment déterminés, ce sont les sages qu'on appelle. Et dès lors qu'on appelle les sages, on dit aux sages, bon, il faut les parler, sinon voilà, voilà, voilà. On menace presque, on peut le dire ainsi, on menace les sages. Dès lors que les sages sont menacés, ils aussi, ce sont les parents de ces jeunes-là qui sont responsables du mouvement qu'on va appeler. Ah, si ton fils fait ça, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Donc c'est le moment pour nous de faire comprendre à nos sages, nous jeunes, de leur faire comprendre. C'est vrai qu'on doit écouter nos sages, mais leur faire comprendre la démarche, leur faire comprendre que dans le cadre de la démocratie, on a droit à ces revendications. Nous n'irons pas dans la violence. C'est ce que je disais la dernière fois. Je disais aux jeunes de Cancan, vous avez le droit de manifester, vous avez tout mon soutien, mais n'allez pas dans la violence. Manifester, c'est faire comprendre aux yeux du monde entier votre malaise, ce qui vous fait mal, ce que vous revendiquez. C'est un droit pour les citoyens. Mais le problème, c'est quoi? Ça serait une honte pour le régime politique en place de voir des jeunes de son fief manifester. Ce serait une véritable honte. Et les propos qui ont été attribués au président de la République, moi, je n'ai pas envie de croire. Parce qu'un président de la République qui dit « Je vais tourner dos à Cancan », non, mais quand tu es élu président de la République, tu es le président de tous les Guinéens, tu ne peux pas faire tourner le dos même à une sous-préfecture. Tu dois obligatoirement faire face à toutes les villes. Tous ceux qui se trouvent sur l'ensemble du territoire national, quel que soit le comportement posé là. Si des citoyens posent des actes suffisamment négatifs, la justice est là. Demandez à la justice d'agir. Mais moi, je crois que ces propos même n'émanent pas sûrement du président. Parce que si ça émane de lui, mais ce ne serait pas bien. C'est inconcevable au fait. C'est inconcevable. Donc, il faut qu'on arrête de mêler une confusion entre la religion et la politique, entre la religion et la démocratie. Nous sommes dans un état de droit, encore une fois, nous ne sommes pas dans un régime, comme on appelle, théocratique. Ce sont les règles qui s'appliquent. Les règles disent que l'État doit s'occuper de tout ce qui concerne le développement de la nation. Si l'État n'est pas en train de s'occuper des activités qui concernent le développement de la nation, mais les citoyens ont le devoir de manifester. Et maintenant, dès lors qu'ils sortent pour manifester, c'est là qu'on les rappelle que c'est Dieu qui va envoyer le courant. Est-ce que Dieu le Tout-Puissant, pour lequel j'ai un respect absolu, Dieu le Tout-Puissant auquel je crois, est-ce que Dieu le Tout-Puissant n'a déjà pas tout fait pour nous? Mais est-ce que c'est lui qui va descendre pour venir mettre l'électricité? Non, Dieu passe par les hommes pour agir. Dieu passe par les hommes pour agir. Voilà. Donc, principalement, voici, n'est-ce pas, les premiers éléments de ma première intervention. Avant que je vienne sur la deuxième intervention, je vais prendre le temps de lire certains commentaires. C'est le moment pour vous de laisser vos commentaires. Je vais prendre le temps de lire les commentaires et on va pouvoir épiloguer là-dessus avant que je continue sur la deuxième partie de mon intervention. Hadiatou Diallo, qui dit « Les sages devront voir les réalités du pays, être à côté de la vérité et du peuple. » Oui, je suis entièrement d'accord. Mais encore que, c'est vrai, il faut qu'on, nous aussi, qui parlons, il faut qu'on voie la réalité. Les sages sont obligés d'être du côté du président, du régime en place.
ils sont obligés. Parce que dans la plupart des cas, ils sont pris en charge financièrement par le régime en place. Vous comprenez? Ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages qui découlent du régime en place. Les sages ne vont pas refuser s'ils ne sont pas des hommes politiques. Donc, ils sont aussi à la fois, ils doivent être aussi à la fois aux côtés du peuple et aux côtés du régime. Mais attention, quel que soit ce qu'ils bénéficient auprès du régime, ils doivent pouvoir être du côté de la vérité. À ce niveau, je suis entièrement d'accord avec vous. Ils doivent pouvoir être du côté de la vérité. Dire la vérité aux dirigeants, comme je le disais tout à l'heure. Dire la vérité aux dirigeants. Dire la vérité, il ne s'agit pas de faire violence sur les dirigeants. Il ne s'agit pas d'inciter les enfants à sortir et à commettre la violence. Non. Mais dire la vérité aux dirigeants. Oui, vous-même, vous avez fait 10 ans de gouvernance. On vous a soutenu pour le troisième mandat. Les mêmes jeunes-là vous ont soutenu pour le troisième mandat. Maintenant que vous avez votre troisième mandat, ok, on a compris, vous ne voulez pas que les jeunes sortent manifester. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? C'est ça. Abdoul Diallo, pardon, s'il te plaît. Faut pas insulter ici. Quelle que soit ta nervosité contre ce régime politique, quel que soit les sentiments négatifs que tu peux avoir pour le professeur Alpha Condé, il ne faut pas insulter. On n'insulte pas. Ici, c'est la page des intellectuels, la page des samouraïs. On n'insulte pas. Il ne faut pas insulter. Ce combat que nous menons, ce combat politique que nous menons pour l'effectivité de la démocratie et de l'état de droit, ce n'est pas un combat qui se mène avec le cœur, ça se mène avec l'intelligence, avec la tête. Donc n'allez pas dans la violence. N'allez pas surtout dans la violence verbale, je vous en prie. Ça, c'est un avertissement. Mais si prochainement vous reprenez, je serai obligé de vous bloquer de la page. Ça, c'est pour tout le monde. Même tous ceux ici, lorsque je fais le live, il y a certains qui sont contre ce que je dis. Il y a certains qui sont pour. Je suis tout à fait d'accord. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. De tous les deux côtés, celui qui utilise des propos vexatoires, des injures, que la personne sache que ce serait ses derniers instants sur la page. Parce qu'ici, nous devons être des modèles. On ne peut pas dire que le régime politique est en train de poser des actes qui ne sont pas des bons actes. On ne peut pas dire qu'Alpha Condé ne respecte pas la loi et que nous-mêmes, on ne respecte pas la loi. Les injures, ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est de l'injure publique. Vous savez que c'est une infraction. C'est une infraction. Donc, on va toujours dénoncer. On va dire la vérité à qui ne veut pas l'entendre, mais en restant dans un cadre purement responsable. Parce que, encore une fois, les gens disent que nous ne sommes pas une jeunesse responsable. C'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on constate. Il va falloir que les jeunes de Guinée, un jour, posent des actes qui sont de nature à être vraiment des actes suffisamment responsables. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous pouvez le remarquer ici sur ma page, il sera difficile pour vous de voir des injures, etc. Non. C'est un débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Alpha Condé fait, vous pouvez le dire. Et moi, je prends le temps de relire et de commenter. Si vous êtes d'accord encore avec ce que Alpha Condé fait, donc vous le dites. Moi, je prends le temps de relire et de commenter. C'est ça la démocratie. J'ai vu un certain camarade qui disait vive Alpha Condé. C'est normal. Il dit vive Alpha Condé sans insulter. Il n'y a pas de problème. J'ai vu quelqu'un qui critiquait tout à l'heure ce que je suis en train de dire. C'est normal. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la contradiction idéologique. Je dis quelque chose, tu n'es pas d'accord avec. Ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec. Moi, je pense que j'ai une bonne idée. Toi, tu penses que tu as une bonne idée. Chacun développe son argument. Et à travers ça, on évolue. On évolue. C'est de cela qu'il s'agit. Bien. Donc, on va continuer. Fatou Bari, merci bien. Elle dit, le développement profite à tout le monde. Je suis entièrement d'accord. Et ce soir, on est en train de parler du cas de ces sages. Mixo. Il dit, les sages de Cancan sont devenus plus corrompus que les politiciens. C'est Dieu qui va envoyer le courant. Bon, en tout cas, ce n'est pas seulement les sages de Cancan. Aujourd'hui, on parle des sages de Cancan, mais c'est partout. C'est un peu partout. Les sages servent de point d'appui du régime politique pour empêcher les citoyens de revendiquer leurs droits. C'est ça la réalité, il faut qu'on le dise. Vous avez vu pourquoi cette question de patriarche a créé suffisamment de problèmes tout récemment? Et en région forestière, cette affaire de patriarche a créé suffisamment de problèmes tout récemment en région forestière. À Zérékouré, je ne sais même pas si jusque maintenant c'est résolu. À Massanta, il y a même eu des morts à Massanta. Pourquoi? Parce que simplement, il semble qu'il y a des cadres de l'administration qui cherchent à ce que ce soit leur homme qui soit là comme étant sage. Parce que quand le sage là est là et il est l'homme du gouvernement, dès lors qu'il y a des trucs qui se préparent par la jeunesse, facilement on peut avoir la même mise sur la ville.
Mais imaginez un sage de la ville, mais qui relève de l'opposition, ou qui est beaucoup plus affilié à l'opposition. Imaginez ce que ça peut faire. En un clin d'œil, ça peut créer assez de difficultés au régime. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas seulement à Cancan, mais ce que nous devons dire à la jeunesse, ce que nous devons dire aux sages d'aujourd'hui. Les sages d'aujourd'hui, eux, ils sont déjà dans leur posture. Il sera difficile de les faire changer. Il sera un peu difficile de les faire changer. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui deviendra sage dans 5 à 10 ans. Il y a même certains qui deviennent sages avant même de vieillir, avant même d'atteindre la soixantaine. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut qu'on dise les choses clairement, que les gens comprennent qu'il faut éviter de dire le développement de notre nation là, c'est pas Dieu qui viendra le faire à notre place, vous. Disons-nous la vérité, ce n'est pas Dieu. C'est le peuple qui c'est comment? Les élus du peuple, le président de la République, son gouvernement, tous ceux qui relèvent du pouvoir étatique, qui doivent s'asseoir, réfléchir, faire des programmes, financer et construire cette nation. C'est ça. Ce n'est pas Dieu qui viendra développer la nation. Dieu nous a déjà donné tout pour qu'on puisse nous développer. Il nous a déjà donné tout. Pourquoi la Guinée est un scandale géologique? L'eau, il y en a. Mais on a tellement mal pris soin des eaux intérieures que nous avons aujourd'hui. Où est le Milo à Kanka? Où est le Milo? C'est parce que les règles n'ont pas été respectées. On ne prenait pas soin. On a tout. Mais on a de mauvaises politiques. On a de mauvaises politiques de gouvernance. C'est ça le problème. Dieu n'a rien à voir dans ça. Dieu a assez fait pour nous. Il a trop fait pour nous. Il a trop fait pour nous suffisamment. Vous avez vu tout récemment, tellement qu'on a coupé les bois en République de Guinée, on a coupé nos bois. Finalement, c'est pas la poussière là qui est venue. C'est pas cette poussière là qui est venue sur Conakry. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a la poussière un peu partout à Conakry. Une véritable poussière. Donc tout cela dépend d'une programmation de nos dirigeants. Donc Dieu, encore une fois, n'a rien à voir dans ça. Il faut qu'on évite de mettre la confusion entre les choses. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Dans l'état de droit, la responsabilité qui incombe aux gouvernants, ils doivent l'assumer. Le devoir qui incombe aux citoyens, le citoyen doit s'acquitter de son devoir. Dieu n'a rien à voir dans ça. Dieu s'occupe de notre âme. Voilà, notre vie et tout ce qui en dépend. Maintenant, le développement de notre nation, ce n'est pas sa responsabilité, parce qu'il nous a déjà tout donné. Donc, il faut à un moment donné que nos sages arrêtent de berner les enfants, qu'ils arrêtent de berner, de tromper les gens. Voilà. Donc, je vais continuer à lire. Une meilleure Guinée, merci bien. Sagata Monene, qui dit le samouraï. Qu'est-ce qui motive Alpha Condé à confisquer le pouvoir et à appauvrir la population alors qu'il n'a pas la capacité physique pour gouverner? Bon, si vous dites qu'il n'a pas la capacité physique de gouverner, ça c'est vous qui le dites, hein. Mais encore que vous le savez très bien entendu que le pouvoir est une drogue. Le pouvoir, c'est comme une drogue. Et en me référant sur un des propos du professeur Alpha Condé, lorsqu'il était opposant, à l'époque il disait l'une des raisons pour lesquelles les chefs d'État africains préfèrent mourir au pouvoir parce qu'ils n'ont aucune garantie. Lorsqu'ils vont quitter le pouvoir, il n'y a aucune garantie qui peut leur permettre d'échapper aux poursuites judiciaires. Donc la vie après le pouvoir devient un calvaire. Donc au lieu de ça, ils préfèrent rester au pouvoir et mourir. C'est professeur Alpha Condé lui-même qui le disait une fois quand il était opposant. Donc si je peux te répondre, Sagata Monene, je peux te dire que c'est ça la réponse. Voilà, tout ce qui vient d'arriver, laissez salut en commentaire. Laissez salut en commentaire. Tout ce qui vient d'arriver. Et partagez la vidéoconférence, partagez-la. Laissez assez de cœur, s'il vous plaît. Je vous ai dit que notre page a des problèmes. Hein? Voilà. Donc, Touré, Thomé François Théa, qui dit, que penses-tu de la dernière sortie du président pour la souffrance des Guinéens? Oui, mais on en a débattu ici sur la tribune de l'éveil des consciences. On en a parlé, non? Il a dit, apprêtons-nous à souffrir. Depuis longtemps, j'en parle déjà. Et c'est pourquoi j'avais même lancé un message à nos amis qui sont du... Comment on appelle? À nos amis qui sont de... Comment on appelle ça? De la mouvance. Je les disais, vous nous avez envoyé vers le troisième mandat. Voici aujourd'hui ce que nous sommes en train de traverser.
Au fait, quand le professeur Alpha Condé dit de s'apprêter, on va souffrir cette année, depuis fort longtemps, il nous dit, apprêtez-vous, serrez la ceinture, on va souffrir. Quand il est venu au pouvoir, le carburant coûtait combien? Aujourd'hui, ça coûte combien? Les sacs de riz, ça coûte combien? On souffre toujours déjà. Pendant cette période de pandémie même déjà, les autres États sont en train de venir en aide financièrement à leurs citoyens. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Chez nous, c'est le contraire. Soit ce sont les maisons qui sont en train d'être cassées. Si les maisons ne sont pas en train d'être cassées, on augmente les prix des denrées alimentaires. Pas plus tard qu'hier, je publiais, les pneumatiques n'ont pas augmenté le prix. Excusez-moi. Merci bien. Les pneumatiques n'ont pas augmenté les prix. Ils ont augmenté le prix de leurs prestations. Ils ont carrément doublé. Ça même, c'est avant même l'augmentation qui est prévue par le pouvoir en place. Ils vont augmenter. Mais avant même ça, les pneumatiques augmentent. Sans justification aucune, sans dire les raisons. C'est le prix de l'air, c'est le prix de l'air qui a augmenté. Ou bien c'est le prix de la colle qui a augmenté. S'il fallait procéder à une augmentation, il fallait peut-être augmenter ne serait-ce que 1000 francs ou 2000 francs. Parce que la colle qu'ils utilisent là, je ne suis pas sûr que le prix de la colle ait augmenté de façon exagérée. C'est ça. Comment ils peuvent augmenter comme ça? Et puis, rien n'en sort. Après, c'est quand le commerçant va augmenter. Après, c'est quand le commerçant va augmenter et le prix de ces trucs, on va dire bon. Pourquoi il a fait? On va commencer à crier. C'est ça le problème. C'est ça évidemment le problème. Donc, on va souffrir. Et c'est pour éviter cette souffrance-là, nous on avait dit, on voulait qu'il y ait l'alternance, conformément à nos textes. C'est pourquoi on avait dit qu'on voulait de l'alternance. C'est pourquoi on avait dit qu'on voulait de l'alternance. D'accord? Si une autre personne... S'il était prévu que le professeur Alpha Condé n'était pas candidat aux élections présidentielles, les bailleurs de fonds allaient financer, les caisses de l'État n'allaient pas être vides jusqu'à ce niveau. Mais c'est parce que les caisses de l'État sont vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi, aujourd'hui, on dit que, bon, apprêtez-vous, vous allez souffrir. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, Donka, Ignace Dine, on augmente les frais hospitaliers un peu partout. On augmente les frais. La vendeuse de piment doit payer l'impôt. Un peu partout, il y a augmentation, augmentation, augmentation. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il a dit qu'on va souffrir et on va véritablement souffrir.